C'est frère Diaspora, ça va bien? Ça pousse pas très vite, hein? Il y en a des petites pousses comme ça, toutes petites comme ça. Et voilà la petite pousse ici. Je vais faire. Hop, voilà. La mise au point. On aime toujours la mise au point. Qui c'est qui n'aime pas la mise au point ici? Il y en a des toutes petites pousses ici, tout petit. On met la lumière. C'est le soir. Il doit être 8h, 8h30, je ne sais rien du tout. Hop, donc j'attends que tout le reste s'appousse. Ça pousse tout doucement. On voit rien à l'œil nu comme ça là. On est obligé de s'approcher. Ça composte, ça composte. Eh, ça fait quoi là? Vous êtes heureux les compostés? Attends, on va regarder. Et le popo, c'est dit quoi le popo? Les chiens, ils venaient fouiller dedans le corbeau. Donc on a mis quelque chose par-dessus. Au début, on a mis grillage à poule. Après, on a eu besoin de grillage à poule pour faire quelque chose. Donc, on a enlevé. Bon, j'ai des amis là. J'en ai eu un gros rat, un moyen rat. Il est où? Il se cache. Vous vous cachez? Alors, vous êtes où? Il est où? Tu es où? Voilà. Et voilà. Lui, c'est qui lui? Lui, c'est le rat. Oui, ça va bien le rat. On l'a attrapé. Il est avec une souris plus petite que lui, elle est où? On la voit pas, elle s'est cachée, j'espère qu'il ne l'a pas mangée. Tu es où la souris? Ben, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Est-ce qu'elle s'est sauvée? Elle a réussi ou bien c'est comment? Elle doit être quelque part par là. Je la vois plus, c'est bizarre. Est-ce que tu as mangé la souris? Sérigo! Où est-ce qu'elle se cache? Elle se cache! Ouais, j'ai cru voir un truc qui bouge. Oui, elle est là. Elle est en dessous la trappe ici là. J'arrive pas à mise au poignet. Mise au poignet. Mise au point, mise au pointé. J'arrive pas à mise au pointé. Alors, elle est tout en bas, tu la vois, elle bouge comme ça. En dessous la trappe. Et lui, il est juste là. Tu vois, il est là avec ses petites pattes, son petit œil. Bon, je te reprends. Là, je voulais faire pause, j'arrive pas à faire pause, j'ai pas fait pause. Bon, maintenant, je te montre quoi. C'en est des bassines comme ça. Hop. Des bassines, des grandes bassines de chantier. Comme celle on avait mis la terre l'autre jour. Bassines de chantier. C'est 60 litres? Non, 90 litres. Elles sont très bien. Ben, tu vois qu'est-ce qui pousse là? Si tu sais qu'est-ce qui pousse, tu me le dis. Ah, c'est des quoi? C'est des quoi? Tu le mets en commentaire. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben ça date de l'année dernière, hein. Ils vont faire des fleurs. On dirait qu'il va faire des fleurs. Lui aussi va faire des fleurs. Hi, trop mignon. Lui, il n'est pas prêt de faire des fleurs encore, mais il va peut-être se réveiller bientôt. Oh, il y en a encore un petit là. Il est nimbus, lui. Oh là 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 là. Il est peut-être déjà jardinière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, mais qu'est-ce que ça se mange? Oh, c'est trop bon. Ça, oseille venez. Pouh! Quand tu coupes l'oseille veinée, ça coule comme du sang. C'est trop bizarre. Hop, tu vois, une petite jardinière, on fait des choses quand même. Je me suis décidé, je me suis dit, ah, il y en a marre, les radis à chaque fois, on va les faire ici. Tant qu'il ne fait pas encore trop chaud, parce que sinon, il y en a des petites bestioles qui vont venir manger mes radis. Moi, j'ai pas envie, je te reprends. Je te reprends. Alors là, ici, on a tout protégé. Les rongeurs, ils n'ont pas encore eu l'idée de venir par ici. Regarde-moi ça. On a mis un grillage, on a mis tout comme ça. Tu vois, on a fait comme des barrières, mais ce n'est pas des barrières. Quand on trouve des choses aux encombrants ou sur les chantiers, on est bien content. Et voilà, on a fait une petite installation, le grillage comme ça. Et la chaise avec tac-tac, et ça tient le grillage, tu vois, comme ça. Si tu veux démonter, tu démontes en 2 coups de cuillère à peau. Et il y en a des haricots. Comment ça pousse, c'est trop mignon. Là, on a fait quoi? On a fait une planche de culture circulaire. On ne sait pas pourquoi, mais on l'a fait circulaire. Ah, dis donc. J'ai pris un couvercle d'un grand bac. Je l'ai mis par terre et j'ai fait un découpage au sol. De la surface à creuser. Après, j'en ai planté plein de trucs. Tu vois, il y en a des radis qui poussent. Je ne sais pas si tu vas les voir. Comme ça, au milieu de l'écran, ça n'est des radis. Et là, c'en est quoi? C'en est des haricots ici, au milieu de l'écran. Mise au point, on voit pas très bien. Hein? Bon, quand ça aura poussé, tu verras mieux.
Mais enfin bref, il y en a des trucs qui commencent à pousser. Je te reprends. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé piquer une laitue véreuse au fond du jardin. J'ai ramené ici. Les replanter, c'est trop marrant. J'en ai pris d'autres, hein, des choses comme ça, des laitues sauvages. Je vais te montrer. J'en ai mis une petite ici à pousser ici. Là, 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 là. Elle va pousser, elle va devenir grosse. Je l'ai pris dans un bac de culture. Mais c'est des t'es sauvages, mais je vais te mettre avec les sauvages. J'en ai encore mis une ici. Tu vois, elle est penchée comme ça, en plein milieu de l'écran. C'est elle, elle est belle, hein? Je l'ai plantée ici. Elle va pousser, t'inquiète pas, elle va pousser. J'ai mis lui comme laitue sauvage. Ça doit être un pissenlit, on dirait. On verra bien, mais en tout cas, ça c'est du comestible. Ça va se manger. Mais lui, je ne vais pas le manger cette année. Il va peut-être monter en fleurs et il va se semer. Et puis l'année prochaine, on va manger. Hey, il va repousser pareil. Enfin bref, j'en ai une autre. Laitue véreuse, monstrueuse, elle est trop grosse. Je l'ai tutorée avec deux seaux parce que j'ai pas envie de faire un tuteur. Je suis trop fatigué. C'est la fin de la journée. J'ai travaillé pour le patron. Et encore une petite laitue ici. Elle n'est peut-être pas véreuse celle-là, mais en tout cas, ça se mange. C'est peut-être un pissenlit. On verra bien. Faut mettre ça partout. C'est gratuit. Ça fait de la verdure, de la salade gratuite. Faut pas se priver. Et je voulais acheter des semis de salade, mais en fait, j'ai traîné dans le jardin et j'ai trouvé des semis de plein de choses. C'était trop bien. Il y en a aussi celle-ci que j'ai mis derrière les sauges. Et voilà. Hop, hop, hop. Elle est ici. Tu vois, je me suis pas privé. C'est gratuit. Il faut profiter. Et puis j'en ai fini mon bac de culture. Il est trop beau, trop mignon. Tu vas voir mon bac de culture. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il n'est pas très haut, hein. Il n'est pas très haut. Il en est avec des grillages à poules, tout ça. Tranquille. C'est mon bac. Mais en tout cas, il est tout mignon. Avec son petit rebord là que j'avais fait l'autre fois, je t'avais montré de la vidéo. Bref, voilà. Et tout autour, j'en ai remis de la terre parce qu'il y en avait des interstices pour pas inviter les rongeurs. Même si on en a mis des trucs de grillage à poules, mais il faut quand même pas inviter les rongeurs avec des interstices. Tu as compris? Sinon, ils se disent, tiens, je vais rentrer par le trou. Mais rentrez par le trou, il n'y en a pas moyen, il n'y en a pas moyen. Donc on fait la bordure, ok? Bon, mais moi je vais te laisser, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Et puis on se revoit, je te montrerai d'autres choses quand j'aurai un petit peu de temps. Là je voulais pas le faire, je l'ai fait quand même, j'en ai mis la lumière. En espérant que tu aies bien tout vu. Ben voilà, à force de me pencher, ben j'arrive plus à respirer. Allez, gros bisous, à bientôt!